Bien-aimés, chers frères et sœurs, amis internautes, membres de la grande famille du ministère de délivrance, bonjour, bonsoir. Nous n'avons pas les mots pour te remercier le fait que vous êtes retournés pour étudier avec nous la leçon de l'école du sabbat. Nous sommes sûrs et certains que Dieu en tiendra compte et la bénit en retour. Nous saluons toutes nouveaux, nouvelles abonnés nous qui abonnent ensemble avec Chanel là. Nous battons gros bravo pour vous. Et nous sommes bienvenus parmi nous et à l'aise la caillou parce que Chanel là c'est pour vous lier. Partagez-la avec mon nouvelé et mettez dans la tête où chaque fois partagez-la ou faites un acte d'évangélisation. Et pas oublier toujours bah, nous like là et ça fait nous grand plaisir. Et quittez un petit commentaire pour dire que vous aimez ce qu'on fait là. Matin nous parlons ensemble dans Vigile là, le Dieu qui donne un sens à l'univers. Le Dieu qui donne un sens à l'univers. Et le son a pris pour titre, la loi de Dieu est immuable. Prions le Seigneur. Bon et tendre Père Céleste, nous n'avons pas les mots pour te remercier chaque jour le fait que tu nous as protégés. Nous sommes là ce matin pour étudier ta parole. Qu'elle puisse te transformer à ton salut, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Vigila, c'est le Dieu qui donne un sens à l'univers. Texte de base là, trouvé dans Colossiens 1er, le verset 16, qui dit « En lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. » Bien-aimés, méditation matin voulait attirer attention nous sur le fait que gen moun ki besoin chercher sens la vie en dehors de Dieu, soit dans des études scientifiques et soit dans l'éducation ou l'économie ou dans la culture ou progrès technologique yo, et bien moun yo kon voulait chercher comme si yon bonheur en dehors de Dieu, et bien malheureusement qui n'est pas vrai. Parce que bon Dieu c'est sens la vie et c'est bon Dieu qui ba yon goût avec la vie. N'a pas dit ou bien en réalité l'être humain même le ta fin posséder toute sale gagnien l'a cherché yon être yon suprême pour li capable adorer. Être humain en fait comme ça même li fait pour adorer. S'il pas adorer bon Dieu après automatiquement li al adorer l'ennemi de notre âme. C'est juste pour dire être humain li pas pas rete oisif dans question spirituelle là. Donc bien matériel là gagnon sens pour nous pas courir fin dit que bien matériel là pas gagne sens. Bien matériel la gagne un sens, c'est vrai, mais spirituellement parlant, être humain, c'est la sens la vie complétée. Donc, en nous vive la présence de Dieu dans notre vie et en nous pas essayer de quitter un lien et panier nous de vie, ça, que bon Dieu capable de continuer bénir nous. Nous pourrons rentrer rapide dans le son pour matin, hein, n'a répété après moi, le son 9, le fondement du gouvernement de Dieu. Verset à mémoriser. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, le verset 17. Jeudi, c'est lundi, nous parlons ensemble. La loi de Dieu est immuable. Donc, les nous définit mot immuable, c'est un bagage qui pas capable de changer. Or nous la Bible dit nous Dieu ne change pas. Donc la loi tout pas capable de changer. Mais l'on prend l'homme ou après l'homme change à tout moment. Donc quand tu es la loi, ou est exactement le caractère de Dieu, c'est avec ça yo identifier. N'a dit ou bien dans le ciel. Dans le ciel, pas de 10 commandements j'en nous joindre ni là. Donc c'est pas contre lui-même ennemi en tes péchés. Et sur la terre en Éden, pas de 10 commandements j'en nous joindre ni là. C'est pas contre lui-même tout. Ève t'est arrivé péché. Maintenant après peuple a fini sorti en Égypte, bon Dieu pral bayo 10 commandements sur le mont Sinaï. Donc même 10 commandements ça, bon Dieu pral bay l'ordre pour construire un sanctuaire. Que bon Dieu pral dit mettez 10 commandements en dans sanctuaire
Et puisque le sanctuaire terrestre, là, c'est image de réalité céleste, là, donc dans Apocalypse 11, on peut rajouter même loi, ça encore, il répéter dans Apocalypse 11, verset 19, côté, il dit, eh bien, tant si elle a ouvert l'âge de l'alliance devant l'Éternel, avec toute loi et toute reste chose en donne. Donc, Noël loi, dans le temps de l'homme, il paraît un peu complexe. Dans le temps de l'homme, nous jouons l'écrit sur deux tables de pierre. Ça, c'est le premier côté l'écrit sur deux tables de pierre. Nous prenons selon ça, Jérémie 31, verset 31, dit nous, loi écrite dans le cœur de l'homme. Et nous prenons une loi, ça encore, l'écrit dans l'âge de l'alliance qui trouvait dans le ciel. C'est-à-dire, loi bon Dieu a. L'homme pas ta capable de changer le principe pa yo. Et si nous bien garder n'a pas à partir de la loi de Dieu, l'homme yon paquet de bon article de droit yo écrit pour capable conserver la société que y a vive jodi a là. Donc n'a dit bien la loi li fait valeur société a. Quel que soit qu'autorisé, eh bien pour maman gen valeur, faut qu'on al nan 10 commandements. Quel que soit qu'autorisé, pour nous capables vivre ensemble, faut que nous capables bannir la convoitise. Pour nous capables vivre ensemble entre monsieur, madame, marié, faut que nous capables bannir l'adultère. Donc, nous et la loi li bayon sens avec société. Ou joindre la loi fait partie intégrante de la vie de l'homme. Premièrement, li gon sens moral pour l'homme. Deuxièmement, li écrit dans le cœur de l'homme. Et troisièmement, li fait move société. Loi. Quand nous considérons nos thèmes larges, nous avons plusieurs bagages nous voulons dire. Mais quand nous allons dans la Bible, nous avons deux types de lois. La loi morale, écrite par Dieu, bon Dieu t'a dit, Moïse, ou mettez-le dans l'âge de l'alliance. Mais nous parlons de l'autre loi, c'est la loi cérémonielle, lui-même écrit par Moïse. Et bien, dans Deutéronome 31, verset 24 à 26, bon Dieu t'a dit à Moïse, ou prends loi ça lui-même, ou mettez-le à côté de l'âge là. Donc c'est lui-même dans Colossiens 2, apôtre Paul Bral dit, qui était un acte de condamnation pour nous. Maintenant, chaque fois nous péchons, loi, ça dit nous, mais qui ça pour nous faire si ce n'est pas ça, nous avons mouru. Maintenant, le Jésus vini, loi cérémonielle là, et bien qu'on y a la limite, li exposer la vie de Jésus-Christ. Jésus mouru, maintenant qu'on y a la loi, ça nous pas en affaire avec encore. Maintenant, nous avons toujours péché. Maintenant, si nous péchons, nous avons un avocat, il est Jésus, qui a aidé pour nous. Maintenant, l'on prend la loi, qui c'est la loi morale, lui permet de trouver ensemble des caractères de Dieu. Et aussi, lui permet de trouver tout côté Satan qui a un problème avec bon Dieu. Donc la loi morale, ce n'est pas seulement caractère bon Dieu, lui fait nous connaître, mais aussi, lui permet de trouver côté ennemi qui a un problème avec bon Dieu. Tout ça, le pavlé. C'est ça qui fait nous parfois société ou qu'on troublé, parce que l'œil n'a pas respecté la loi morale ou joint toute forme de dérive qui rivait et toute forme de péché qui prend naissance. Donc, nous capables de comprendre si un groupe de société ignore la loi de Dieu, même côté au pas capable de vivre dans la société. Ça. Donc, la loi, c'est sens la vie l'homme, lui permet l'homme raisonner autour de la grande pensée théologique qui est le caractère de Dieu. Et lui permettre nous aussi aller contre les œuvres de l'ennemi. Donc nous la loi, lui éclairer les yeux nous, lui fait nous penser bien, lui fait nous parler bien, lui fait nous agir bien, lui fait nous lui mettre joie dans cœur nous comme a dit David, lui restaurer l'âme nous. Qui ça David comprend de la loi dans Psaume 111 le verset 7 à 8. Qui ça lui dit? Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Donc, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Et dans verset 10, ça libre dit, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Dans Matthieu 5, Jésus lui-même, lui gagne yon mise en garde qu'il fait pour lui capable protéger société que nous y aujourd'hui à la. Comment mise en garde la fait? Il dit dans Matthieu 5, verset 17, 18,
Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, Jésus vient dire, c'est lui-même qui vrai sens la loi. C'est lui-même qui pral permet de bien comprendre la loi. Donc, n'a dit ou bien, je dis à la, tout le monde gagne une loi dans le cœur. Tout le monde gagne une loi dans le cœur. Mais est-ce que tout le monde gagne Jésus dans le cœur? Est-ce que tout le monde accepte Jésus? Non. C'est loi accepter Jésus, ou pral vraiment bien comprendre l'importance de la loi, et le Saint-Esprit pral permet tout capable de marcher selon les principes de la loi. Donc, c'est parce qu'on est déjà sauvé qu'il faut capable respecter la loi. Si ou pas sauvé déjà, ou pas capable respecter la loi. L'on prend yon moun ki nan monde lan, ki pa ko accepte Christ pour le sauver, eh bien, il pas capable respecter la loi. Ennemi a pas bal temps, et lui même tout li pa gen force avec courage pour respecter la loi. Mais le fait que le fin accepte Christ, maintenant le nom écrit dans le livre de vie, li accepte entre dans alliance que bon Dieu fait ensemble avec lui pour le capable sauver. Maintenant, il vient gain courage pour être capable de respecter la loi, et nous pral voir comment Jean pral parler de moun sa dans 1 Jean 5 le verset 3, il pral dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est-à-dire ou vinn voir commandement pas difficile pour vous, parce que chaque sont pas capable de faire, eh bien ou juste relé Jésus. Jésus dit mais comment pour faire, et mais comment ou capable de faire. Dans verset 18 dans Matthieu 5 là, eh bien Jésus continue pour lui dire belle expression ça que n'a cap utile nous en pile, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc la loi lit by valeur à l'homme, éprouver l'homme comment il doit marcher contre la volonté de l'ennemi et faire la volonté de Dieu. Et la loi aussi lui permet que nous partager la nature de Dieu. Si la loi est le caractère de Dieu et la loi est écrite dans mon cœur, donc j'ai le caractère de Dieu dans mon cœur. De là, je peux vivre selon le caractère de Dieu. John Wesley était compris tellement bien pour le dire, quand nous acceptons marcher avec la loi, nous partager la nature de Dieu dans notre nature. Donc nous pourrons comprendre l'apôtre Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc de part et d'autre, les théologiens disent que Jésus est la loi, et la loi est Jésus. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc bien aimé, il est important pour nous capables de marcher selon le commandement bon Dieu. Et nous, loi bon Dieu, c'est caractère bon Dieu. C'est fondement trône. Li se fondement moralité être humain qui a vivio. Donc ennemi t'a toujours détesté. Bien-aimé dans le Seigneur, nous appeler nous-mêmes pour nous respecter principe bon Dieu. Même si tu arrivé sur un monde qui dit la loi pas exister, lui-même li respecter la loi, mais li pas rendre ni compte. Compte qui ça li capable de la loi pas exister? Compte le Saint Sabbat de l'Éternel. Monde qui de la loi pas exister à leur grand petite, il prend soin pour le temps de tout ça timon n'a dit, et pour corriger mot timon et suivre comment il habillé à comment l'a marché qui monde qui zami les chétait les bonne bagarre à suivre. Il pas avlé timon en perdu. Donc qui ça capable, qui ça qui capable permettre lui ou timon en perdu? L'elta ou le grand timon 14 ans ou peut-être 18 ans qui accepté rentrer dans relation sexuelle par exemple avec un monsieur marié. Donc là tu ouf perdu timon moi. Ou peut-être nda wè ti moun moyen tombe nan drogue rouge, perdu ti moun moyen. Chaque sa wè ti moun nan fait ki pa bon, li dou waouh li perdu ti moun nan. Mais c'est la loi qui fait wè ça. Mais puisque li pa vle observer le Saint Sabbat de l'Éternel, maintenant li di ou que li pa besoin la loi. Mais en réalité, tout moun a vive avec la loi nan yo même. Donc bien-aimé, chers frères et sœurs, amis internautes, nous te content pour nous te présenter une leçon pour nous dire ou que la loi de Dieu li nan nous même déjà, c'est pas nous même qui écrit, c'est bon Dieu qui mettel. Donc nous pas capable respecter parce que nous gen nature de la loi de Dieu, nous gen nature caractère bon Dieu nan nous même. En nous continuer vivre selon la loi de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous t'es content pour nous te présenter leçon. On a bon rendez-vous à demain si Dieu veut mardi, cap gen pour titre le sabbat et la loi. N'a pas invité à faire mesure pour la prière.
Merci Seigneur Jésus, puisque par ta parole, tu nous éclaires chaque jour à prendre conscience de l'existence de la loi et à les mettre en pratique. Père, bénis, pardonne, exauce, attire, sanctifie. Ainsi nous t'adressons nos vœux au nom de Jésus. Amen. Sauti 11h, rivé minuit, avec ministère de délivrance, viens passer un moment de prière. Un moment côté où on recharge batterie spirituelle. Et un moment tout côté où on paye bon Dieu sous sérieux. Et comme ça, on est toujours content dans le nom de Dieu. Et puis, délivrance par nous. Délivrance par nous toutes. Il est assuré dans le nom de Jésus.